Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test de friction avec notre machine à frictionmètre. Je rappelle, frictionmètre qui nous a été offert par l'entreprise Mecarun. On les remercie, ce qui nous permet de pouvoir tester plein d'autres choses en plus du Mecarun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement comparer l'huile VRX750-40, donc 7W40, donc huile blanche à base de céramique de la marque Xenom, avec de l'huile Total 540, donc huile 100% synthèse pour véhicule essence. Le but étant tout simplement de voir si on a une différence de friction entre celle-ci et celle-ci. Bon, très honnêtement, avant de démarrer la vidéo, je pense que oui, pour la simple et bonne raison que cette huile a été validée par laboratoire TUV, hein, donc c'est pas non plus un laboratoire de loustic où vous mettez un billet sous la table et ça passe, hein, c'est quelque chose de renommé, a été validé avec 41% minimum de friction en moins, donc j'en déduis que soit celle-ci va être excellente, c'est celle que j'utilise, je n'ai pas de partenariat, je n'ai rien, soit tout simplement qu'il va y avoir un bel écart. Encore une fois, je ne sais pas, on va tester tout ça sur 3 étapes. La première étape, ça va être un test de blocage, donc tout simplement vérifier à quel moment, avec combien de charge on bloque sur l'huile, ensuite contrôler l'usure sur un blocage qui va être synonyme de serrage. Ensuite, on va faire un test dans le temps, donc d'usure pendant un temps donné. Donc par exemple, avec un galet de 500 grammes, on va mettre tout simplement le chronomètre sur 2 ou 3 minutes et on va pouvoir comparer les deux, l'usure sur la bille. Et le troisième test, ça va être le test de température. L'huile céramique est surtout donnée en compétition pour avoir une meilleure résistance à la température. Donc on va tout simplement les amener à chauffer et on va voir laquelle se détériore le plus rapidement dans des pots en verre. Les amis, pour vraiment ne plus avoir de commentaires débiles sous les vidéos, on va montrer au maximum les tests qu'on va faire. Donc je vous dévoile un petit peu ce qu'on va faire. La machine à frictionmètre, elle est là. Entre chaque étape, donc entre chaque étape par huile, mais aussi entre les huiles, on va tout simplement dégraisser avec du nettoyant frein la bille, mais également la surface ici. Pour que la surface soit toujours égale en fonction de la bille, du test, etc., on passera entre chaque test et entre chaque étape du papier 120 sur la partie de la cage ici en friction. Bien évidemment, la bille sera soit changée, soit retournée. On va mesurer la bille avant, après. On a également ici un thermomètre pour mesurer la température de l'huile. Ce qui fait qu'avant chaque test, on va tout simplement monter la température d'huile aux environs de 80. Température de fonctionnement de l'huile dans un moteur. Je rappelle que l'huile peut aller de 80 en température fonctionnement normale jusqu'à 120, 130, 140 quand elle passe dans le turbo en termes de température immédiate, mais en termes de température constante, elle dépasse rarement les 100 degrés dans un moteur. Donc on va faire tout simplement les tests aux environs de 80. Je pourrais pas être à 80 à chaque test, mais on va dire qu'entre 80, 85, maximum 90, ce sera notre base de référence. Voilà un petit peu, donc les amis, c'est parti. On va commencer 3 tests sur l'huile standard et ensuite on va faire ces 3 mêmes tests sur l'huile céramique. C'est parti! Bon, donc là on se retrouve pour le premier test de blocage avec l'huile standard. Donc dans un premier temps, on va venir préparer la surface comme on va le faire lors de chaque test. On va mesurer la bille. Alors moi je sais combien elle fait parce qu'elles sont toutes pareilles. On remet le pied à coulisse à 0. Alors, elles sont censées faire 13,45, celle-là fait 13,44. Alors, on va remettre à 0 la tare, être sûr de la bonne valeur. Celle-ci fait 13,44. Donc, maintenant, on va pouvoir la mettre sur la partie. On constate clairement qu'il n'y a pas d'usure sur la face ici. Donc maintenant qu'on s'est occupé de la bille, on va s'occuper de la surface. On va dans un premier temps dégraisser. Voilà. On va utiliser notre papier toile émeri pour égaliser la surface. Voilà. On redégraisse. Maintenant on va pouvoir amener l'huile de test et la montée en température, température de fonctionnement moteur, soit 80 degrés avec notre thermomètre. Donc c'est parti.
on approche les 80 degrés. Voilà. Donc là, on est sur une température de fonctionnement moteur. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape donc de blocage, qui va simuler tout simplement un serrage moteur. Donc on prend notre bille, je vous remontre au préalable qu'elle n'a pas d'usure sur la surface en contact ici. Et on va venir constater à combien on va arriver au blocage. Donc, un galet, deux galets, trois galets, quatre galets, on bloque. Voilà, donc là on a un blocage qui simule un serrage. À 4 galets, bon, je pense qu'à 3, ça aurait continué, ça aurait fini par serrer. J'ai préféré continuer pour garder la même amplitude pour le prochain test avec l'huile blanche. Maintenant, on va venir mesurer tout simplement l'usure de la bille. Donc là, on voit très clairement qu'il y a un beau plat d'usure ici. On va la démonter et on va la mesurer au pied à coulisse. Et ainsi, on aura l'usure de la bille. Alors, je vérifie qu'elle ne va pas me brûler. Je remets à zéro. Et là, on mesure 13,08. Donc, il y a quand même une sacrée usure au niveau de la bille. Bah, maintenant, on va pouvoir passer à l'autre test. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au test de blocage. Donc là, on nettoie, comme d'habitude, la petite roue. Voilà. On la dégraisse. On dégraisse également notre bille. Hop, on retourne la bille sur une face, hop, qui n'est pas abîmée, donc qui n'a aucune trace d'usure. On va venir remonter à température notre huile pour être toujours dans les mêmes conditions. Donc on va toujours essayer de se mettre dans les 80 degrés environ. On y arrive. 82, voilà. Hop, on est sur une température de 84 comme tout à l'heure. Hop, et là, j'ai fait une petite bêtise, on essuiera après. Là, on va venir mettre de quoi chronométrer. On va venir apposer dessus. Et là, on va mettre deux poids. Donc, on va mettre tout simplement l'équivalent d'un kilo, c'est 500 grammes par galet. Et on va venir attendre 2 minutes et on contrôlera l'usure au terme de ces 2 minutes avec 1 kilo. Donc là, au moment où je rentre en contact, je démarre. 1 et 2, on laisse travailler. Voilà, donc là on a terminé notre test d'usure. On va pouvoir maintenant contrôler l'usure de notre bille. Alors hop, on remet à zéro. Et là, on est à 13,34 pour tout à l'heure, 13,45. Bon, maintenant, on va s'attaquer à l'huile blanche. On va faire le test tout simplement de blocage, donc de serrage. Donc là, comme tout à l'heure, on va renettoyer. On vient dégraisser. Hop. On vient également dégraisser la bille. On la met sur une surface qui n'a pas été en contrainte. Voilà,
Donc là, on voit bien qu'il y a zéro usure ici. On va venir monter en température notre bac à huile. Pour ça, thermomètre, chalumeau. Et c'est parti. Hop. Voilà, on est arrivé à 40 degrés, 80 degrés autant pour moi. On peut couper. On va venir. Faire notre test. Alors, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je pense qu'il va ripper là. Voilà, 10. Hop. Donc là, on est arrivé. Bon, nette différence. On a réussi à mettre 10 poids de 500 grammes, soit 5 kilos sur la barre. Maintenant, on va mesurer l'usure de la bille. Alors, c'est assez minime, hein, mais on voit quand même un petit point d'usure ici. Donc, on va venir le mesurer au pied à coulisse. C'est extrêmement chaud. Hop, on allume, on met à zéro. Et là, on va venir. Je me mets bien dessus. On est à 13,35. Ouais, 13,37 même. Là, si je suis bien dessus. C'est pas extrêmement facile, ouais. 13,37. On se retrouve pour repréparer la machine pour passer les tests de l'huile céramique. Donc toujours même procédure. On passe la toile émerie. Ensuite, on dégraisse. Nous sommes arrivés dans les 80 degrés. On va pouvoir activer le chronomètre. La bille, on l'a retournée, il n'y a pas de surface de friction à l'endroit où on la place. On va pouvoir démarrer le test. Donc là, on va laisser encore une fois tourner pendant 2 minutes et on va vérifier ensuite l'usure. Donc là, on va arrêter les deux en même temps. Voilà, on va pouvoir venir mesurer l'usure qu'on a eue sur la bille. Bah écoutez, on voit zéro usure. J'essaie de localiser avec la lumière. Ah si, j'ai un petit point ici. Franchement, à mon avis, là, alors, je surveille ce qu'elle est. C'est vraiment hyper minime. C'est chaud. Que je puisse la voir entre mes deux doigts. Alors, faut pas que je bouge. On va allumer le pied à coulisse. 0.
Et là, on est à 13,41. Bon, maintenant, on se retrouve pour le dernier test, le test de la montée en température. Comment on va procéder? On va tout simplement mettre un fond d'huile dans les récipients. Donc, un pour l'huile blanche, un pour l'huile standard. Pourquoi on fait ce test? Pour la simple et bonne raison que l'huile doit être résistante à la température. C'est-à-dire qu'une huile, plus elle va noircir vite, plus elle va perdre de ses propriétés lubrifiantes et plus elle va créer du dépôt, ce qu'on appelle la boue quand on vidange un moteur. Généralement, c'est fait par les chauffes successives de l'huile et généralement le manque de vidange. Donc là, on va tout simplement remplir de l'huile blanche et de l'huile normale. On va les monter aux alentours de 200 degrés, si possible à plusieurs répétitions, 2 ou 3, et on va pouvoir constater laquelle noircit le plus vite et laisse le plus de dépôt. Alors certains vont me dire, oui mais tu as une huile blanche et une huile basique. Alors l'huile blanche, c'est tout simplement de la synthèse avec énormément de céramique, et l'autre c'est uniquement de l'huile de synthèse. Donc c'est pour ça, les deux sont censés noircir quoi qu'il en soit. Et laisser du dépôt plus ou moins selon l'efficacité de l'huile. Donc là c'est parti, on nettoie, on remplit les bacs et on procède au test de chauffe. Donc dans un premier temps, on va remplir. Alors il suffit pas d'en mettre beaucoup, hein. Moins il y en a, entre guillemets, plus elle va chauffer vite. Donc là, on met un petit peu d'huile blanche. Et on va essayer de faire exactement la même quantité sur l'huile normale de synthèse. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir procéder aux différents tests. Donc on va commencer par celle qui noircit entre guillemets le plus vite, enfin qui devrait être plus visible si la qualité est promise de l'huile blanche. C'est parti. Donc là on va la chauffer et avec le thermomètre, on va venir contrôler. Voilà. Alors, on récupère le thermomètre. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Donc là, on est déjà à 130 degrés. Hein. Là, on voit qu'il se produit une réaction dans l'huile. Donc là, on se trouve à 210 degrés. On va essayer de les chauffer à 250. Là, on a 250. Là, ça commence à bouillir. On voit, voilà, à partir de 270, ça commence à noircir. Hein, c'est net. Et on a... Donc là, on est à combien? Ça s'enflamme. On est à 270 degrés. Donc, on ne va pas aller plus haut. On va pas... Voilà, ça sert à rien. On va la laisser refroidir. Et on va faire 3 chauffes comme ça à 270, donc sur le point d'inflammation de l'huile. Et puis on va voir comment elle noircit. Là on voit clairement que déjà elle a bien bien noirci. Donc on va la laisser refroidir. On va faire le premier test sur l'autre. Et puis on va revenir comme ça constamment. 3 passes, chauffer l'huile. Et à la fin on se retrouve pour tout simplement faire le verdict. Laquelle a le mieux tenu dans le temps. Donc là, on s'approche des 270 degrés où on va s'arrêter pour rendre le test juste. Voilà, donc là, on est à 271 degrés. Donc là, on a chauffé une première fois les deux types d'huile. Donc on va laisser refroidir et on va faire une deuxième fois.
Bon, et bien les amis, maintenant que ça a refroidi, on va pouvoir comparer un petit peu ces deux huiles. Donc là, on a l'huile à la céramique qui a légèrement noirci, hein, qui est passé du blanc au caramel, mais qui n'est pas plus noir que ça. J'essaie de trouver du dépôt dedans. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de dépôt, hein. Elle s'est quand même très bien tenue, elle a légèrement noirci certes, mais on n'a pas de dépôt visible sur la partie du bocal. Maintenant, si on prend l'huile standard, donc qui est noire, elle, pour le coup, bah, elle a vraiment sacrément noirci. On découvre un peu de dépôt sur les parois, notamment en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Sur la partie là, on découvre vraiment du dépôt. Bon, honnêtement, elle a quand même bien tenu. On dirait qu'elle a perdu un peu en viscosité. Après, bon, ça, j'ai pas les appareils pour mesurer. Encore une fois, c'est pas non plus... voilà, là, c'est un autre niveau que mes petits tests dans mon garage. Bon, on constate un petit peu de dépôt sur le tour au moment où elle a chauffé. Mais elle s'est quand même plutôt honnêtement bien tenue. Après, c'est vrai qu'en termes de viscosité, elle a l'air d'avoir changé. Après, là, encore une fois... Faudra des tests bien plus poussés en laboratoire. Mais on peut clairement constater quand même, hein, à vue d'œil, qu'elle a quand même beaucoup moins résisté à la température que l'huile céramique. Là, c'est, si on le met comme ça, c'est net. Vous voyez, au niveau de la viscosité, on est tous les deux sur les mêmes types de viscosité. Et pourtant, l'huile céramique est beaucoup plus fluide que l'huile totale qui, on semble s'être épaissie. C'est assez étrange. Et là, on peut constater qu'il y a zéro dépôt. Alors que ici, on a quand même un dépôt observé sur les parois métalliques du contenant. Bon, et bien les amis, on se retrouve pour conclure cette petite vidéo sur la comparaison d'une huile basique, quand même entre guillemets haut de gamme, dans le sens où c'est de la synthèse et pas de la semi-synthèse, avec une huile également de synthèse appelée huile céramique parce qu'elle est simplement faite de composition céramique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Et bien très clairement, en termes de friction... Ça confirme un petit peu ce que je pensais, hein. Ça a été quand même testé en laboratoire TUV, donc ça coûte quand même 25 000 € et ce n'est pas un laboratoire de bricoleur. Donc effectivement, on peut clairement constater au frictionmètre qu'on a quand même beaucoup moins de friction avec ce type d'huile-là qu'avec celle-ci. Sur une usure régulière avec un temps donné et un poids donné, eh ben, celle-ci est clairement vainqueur. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus, en termes de friction, elle l'emporte. Maintenant, une huile, c'est pas que de la friction, c'est aussi de la résistance à la température. Et là, pour le coup, elle se différencie vraiment bien. Elle a une nette résistance à la température, à l'échauffement, qu'une huile, entre guillemets, dite basique. Donc là, très clairement, elle se démarque. Donc oui, on peut réellement dire que l'huile céramique est nettement supérieure à ce type d'huile-là. Encore une fois, on n'est plus sur de l'huile vraiment orientée moteur central arrière, donc des moteurs qui vont prendre beaucoup de température d'huile, ou alors un usage vraiment intensif. Je pense surtout à des personnes qui vont faire de la piste ou qui vont vraiment utiliser intensivement leur véhicule. Après, encore une fois, est-ce que c'est utile de mettre ça dans mon Jeep? Je ne pense pas. On est quand même sur un produit qui est beaucoup plus cher qu'une huile basique. J'ai envie de dire heureusement que c'est quand même un produit qui est meilleur. Maintenant, je pense qu'au vu du prix du produit, il faut quand même l'adapter à son utilisation. Après, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Moi, je suis là pour vous faire des tests, pour voir si vraiment on a une différence, etc. Après, mettre ça dans une Clio pour aller au travail, bah, ça fera pas de mal, bien au contraire. Est-ce que c'est utile? Sincèrement, je suis pas convaincu. Après, mettre ça dans une supercar, dans une voiture, on va dédier à la piste ou vraiment une grosse préparation, là, je pense que ça prend tout son intérêt. Encore une fois, si je prends mon expérience personnelle, je l'utiliserai avec grand plaisir. Je serai prêt à l'acheter pour le mettre dans ma R8. A l'inverse, pour mon Jeep, eh ben, je prendrai une bonne huile qu'on trouve en grande surface, avec pourquoi pas un additif qu'on connaît tous. Maintenant, voilà, c'est vraiment différencier un petit peu les utilisations, mais oui, très clairement, c'est de l'huile qui est nettement meilleure. Le but étant d'ajouter les meilleurs produits qu'on teste. Donc celui-ci a totalement sa place sur la boutique. Donc oui, je peux vous dire qu'au terme de cette vidéo-là, eh bien, vous pouvez retrouver l'huile VRX de chez Xenom directement sur la boutique en ligne www.mylittlegarage.fr en description de la vidéo, comme à chaque fois. Alors maintenant, on va un peu plus pousser ces tests dans davantage de vidéos et j'aimerais bien pouvoir déjà voir la faisabilité, la compatibilité de cette huile-là avec du P18.
Alors, je sais qu'on n'est pas sur les mêmes technologies, donc je ne sais pas si c'est réellement compatible. Ce serait bête de perdre l'efficacité de l'huile céramique en ajoutant un additif qui est différent. Donc là, je vais tout simplement sonder les fabricants, voir les arguments qu'ils ont et faire mes propres tests. Encore une fois, on est indépendant, ce qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, je sais que Xenom a également un additif VRX, donc qui est à base de céramique. Donc, c'est de la céramique concentrée qu'on peut mettre dans ce type d'huile-là. Et je me dis que le fait de mettre un additif céramique dans de l'huile céramique, on va tout simplement accentuer le taux de céramique. Et ce qui fait l'atout majeur de ce type d'huile-là, c'est tout simplement la concentration en céramique, puisque c'est la céramique qui va faire l'hyper-lubrifiant de l'huile. Donc, si on ajoute un additif à base de céramique dans une huile céramique, j'en déduis qu'on va tout simplement augmenter la qualité de l'huile. Donc ça, les amis, ça fera l'objet d'un autre test sur le frictionomètre avec ce type d'huile et ce type d'additif. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été complète. Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher d'avoir fait quoi que ce soit, du moins je l'espère. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, de faire les choses le plus sérieusement possible avec un maximum de preuves pour être, encore une fois, le plus efficace dans les tests et dans la recherche de bons produits. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez retrouver ce produit-là sur la boutique parce qu'au moment où je fais ce test, je l'ai validé et cette vidéo-là sortira du coup quand on aura le stock. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous de votre soutien. Merci à tous de votre confiance. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de la mécanique sur la R8, sur la restauration de la R5 ou sur davantage de tests produits. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.